Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Elerina Medium. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur ce que nous prépare, ce que nous allons recevoir à l'issue de ces vacances à Brégançon, au fort de Brégançon. On va voir cela ensemble. Auparavant, j'ai reçu une jolie lettre, vous voyez, toute belle, toute marron, et je vais vous, c'est une abonnée qui est devenue une amie qui m'a envoyé ce courrier avec une belle carte postale de la forêt de Brocéliande. Alors je vais vous lire ce qu'elle a marqué. C'est spécialement aussi conçu pour vous, mes chers abonnés. Voilà. Bon, elle me marque cher et puis Elerina. Je cache parce que vous comprenez bien que Elerina, c'est pas mon prénom. Hein. Ce n'est qu'un pseudonyme. Je suis, alors elle dit, je suis allée à la forêt de Brocéliande dans la ville de Merlin. Je vous ai pris une petite pièce. Un petit penny que nous appelions ça des pièces de monnaie avant, c'était la monnaie d'échange, hein. Avec la coccinelle, pièce de Merlin, cela est une protection et ainsi la carte de l'arbre d'or de Merlin. Petite citation pour votre famille, dame de YouTube et vous-même. J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la place à mon être. Je retrouve la place à mon être, je retrouve la sérénité. Bise de Valérie. Valérie, ma chère amie, dont c'était l'anniversaire hier. Hier, Valérie, joyeux anniversaire, mais j'ai envoyé une carte aussi, hein. J'ai envoyé une carte postale. Voilà, donc, bien, merci pour tous les abonnés. Regardez si elle est belle cette carte, une carte de la forêt de Brocéliande avec l'arbre d'or magnifique. Bien, je la mets à côté de Pommain, la Vierge de Pommain. Et puis là, il y a la famille sainte, la famille sainte. Voilà, donc, merci infiniment, ma chère Valérie, merci infiniment. Donc, je vais montrer ce que vous avez envoyé en supplément. Ça, c'est la prière de l'ange, voilà. Si vous voulez vous la procurer, vous allez dans les magasins spécialisés et vous avez la prière de l'ange. Je vous la lis parce qu'elle est trop belle. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Voilà, donc elle est magnifique, hein? Regardez si elle est belle. Superbe. Donc, je la rajoute avec les autres petites cartes qu'elle m'a offertes déjà. Ah, ça tombe.
Et c'est ma protection en même temps. Et puis la pièce, la petite pièce qu'elle a joliment mis dans protégée dans un petit peu lochon. Voilà. Et je vais l'ouvrir devant vous, vous voyez. Je ne l'ai pas ouverte. Voilà. Mais comme nous communiquons souvent ensemble, elle me l'avait dit. Elle me l'avait dit. Voilà. Cette pièce de d'or. Et puis la petite coccinelle. Très très jolie, hein? Très jolie. Impeignée, la coccinelle. Magnifique. Merci du fond du cœur, Valérie. Gros bisous. Gros bisous. Merci. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons nous occuper un petit peu de nous, savoir les ébauches qu'il va faire à son retour de ses vacances au fort de Brégançon. Voilà, qu'est-ce qu'il nous concocte encore? Qu'est-ce que nous allons subir? Bon, avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Veuillez liker, un petit pouce. Veuillez cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Appuyez sur toutes, hein, pour ne rien rater de mes vidéos. Veuillez liker, donc je vous l'ai dit, un pouce, ça fait marcher l'algorithme de YouTube et ainsi je serai recommandée dans plusieurs endroits, quoi. Donc je serai mieux référencée. Voilà. Donc si vous avez besoin d'une consultation personnalisée avec moi, vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Sachez que je travaille tout le mois d'août, donc à toute heure, sauf la nuit évidemment, mais à toute heure de la journée, je consulte. Voilà, donc j'ai préparé le bol tibétain. Je vais le faire teinter. Je sais que vous l'aimez bien, donc moi aussi je l'aime bien. Et on y va. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va faire l'exécutif à son retour de vacances? Bon, de toute façon, nous sommes sans Premier ministre, avec toujours le même, hein? Gabi. Oh, Gabi! Toujours avec lui. Donc, pour l'instant, ça ne change pas. On va voir ce qui va nous préparer, voilà. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Bon, je demande à mon ange gardien de m'informer de ce que EM nous prépare à sa rentrée de vacances. Donc, comptez le mois de septembre, hein? Mois de septembre, parce que le temps qu'il revienne de vacances et qui se remettent au travail. Comptez au mois de septembre. Ah, aujourd'hui, nous sommes le 1er août. Hein? Et le 8-8-2024, ça fera 3-8 parce qu'en additionnant le 2024, on retrouve le 8. Ça fait 888. C'est une très, très, très bonne journée pour faire vos voeux, pour vous défaire de votre négativité, etc. Donc, n'oubliez pas, le 8. 8-8-2024. Ce sera une très très bonne journée. Là, on fait. Que nous prépare-t-il, monsieur
E.M. Alors, beaucoup de mes abonnés ont disparu. C'est You qui s'amuse. Hein. Alors, vérifiez que vous êtes toujours abonné à ma chaîne. C'est dommage, quoi. Vous pensez que vous êtes abonné, vous ne l'êtes plus. C'est indépendant de ma volonté. Hein. Moi, je n'y suis pour rien. Oh mon Dieu. Il nous prépare. Bon voilà. Il se veut dans la sagesse, mais la sagesse, c'est un tricheur. Hein. Voilà ce qu'il nous prépare. Hein? Surtout pour les personnes âgées. Il prépare quelque chose pour les personnes âgées. Bon, moi je sais déjà que il y aura à nouveau une autre. Pam.d.mi, voilà, donc pseudo, hein, pseudo, elle est fictive, c'est faux quoi, c'est pour mieux nous faire la soupe, alors ne cédez pas mes amis, ne cédez pas, voilà, donc il veut de l'argent, il veut de l'argent, non seulement la France est en faillite, hein, elle est... On va arriver au niveau de la Grèce. Et la Grèce, elle interdisait, les banques grecques interdisaient aux clients de récupérer leur argent. Ils faisaient la queue devant les banques, les agences bancaires. Ils ne leur donnaient pas leur argent. Ben, c'est ça qui nous attend. Voilà. Il le concocte depuis le printemps, hein, depuis le printemps dernier, cette nouvelle pam.d.mi. Bon, là, il y a beaucoup de personnes autour de lui, mais pas de très bonnes. Voilà, bon, ben, il s'en donne à cœur joie, il copule, quoi. Voilà, donc pour l'instant, il attend les ordres de ses supérieurs, parce que bien évidemment, c'est pas lui qui dirige, hein. C'est pas lui, hein. Attendez, c'est la FEM, et plus haut encore, tous les satanistes. J'ai un ami qui me parle de... Il dit ça, dans sa région, il dit que c'est Grimaud. Ah, mon Dieu, qui m'a fait rire. Grimaud, c'est aussi un village de la Côte d'Azur qui s'appelle Grimaud. Ah, mon Dieu. Et lui, il dit que c'est Satan, il s'appelle Grimaud. Donc bon. Bon. Il est démoniaque. EM, c'est le Deville, tout simplement. Je pense que le Deville s'est réincarné dans son corps. Il peut prendre toutes les apparences, vous le savez bien. Donc, il s'est réincarné dans le corps de EM. Bon, là, il prend du repos. Après, il va se mettre au travail, dans les foyers. Non, mais il va vouloir faire peur. N'ayez surtout pas peur, ça va baisser vos énergies et puis vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Bon, il y a du déménagement dans l'air. Bon, il y a des cadeaux aussi qui se font entre eux, du déménagement dans l'air et puis le soleil revient. Le soleil, c'est-à-dire, bon, ils pensent qu'ils sont arrivés. Voilà la FM. La FM, représentée par la pyramide. Bon, il va vouloir tirer un grand trait sur le passé, mais il prêche le faux pour savoir le vrai,
Et puis, il nous ment sans arrêt. Il nous ment sans arrêt. Donc, il ne faut pas croire à tout ce qu'il dit. Bon, le repos. Le repos, c'est pour les personnes âgées. Je vais changer de jeu. Personnes âgées, les pauvres. Je vais prendre... lequel? Ah oui. Celui qui est en deux parties. Ah! Voir ce qu'il a dans le ventre, ce tordu, ce deville. Ah, se sont mélangés. Allez, je mélange devant vous. Voilà, je laisse le petit tas de côté. Et je prends l'autre partie. Que nous réserve le deville EM. Je vais l'appeler comme ça, hein, maintenant. Allez, on y va. Je vais positionner 9 cartes. Donc, j'ai besoin de place. Alors, on pousse ça et ça également. Hop. Vous n'avez pas remarqué mon joli tapis? Là, regardez s'il est beau. Bon, je peux pas le mettre en entier, mais il est magnifique. Il est magnifique. Alors, on y va. Je vais positionner 9 cartes. Hop, il y en a qui glissent. Et maintenant, alors, je vais tirer une carte de l'autre partie. Et je vais la rajouter sur chaque carte. Et puis, voilà, faillir, faillir. Bon. Les personnes d'un certain âge. Personnes d'un certain âge. Il ne va pas les rater. Alors, si vous êtes d'un certain âge, je sais que parmi les abonnés, j'ai beaucoup de personnes d'un âge certain, hein, disons, voilà, à partir de 60 ans. Hein, ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir. Bon. Là, il faut se conformer. Ils mettent
dans les produits agricoles, ils mettent des substances toxiques. Voilà, donc nous consommons de la toxicité. Voilà. Donc, bon, il est là pour mentir. Pour mentir. Voilà ce qu'il veut faire des Français. Ils veulent qu'ils fassent l'aumône. Eh bien, non. Non. Parce que lui, il ira avec le Deville. Rapidement. Rapidement. Bon, vous savez très bien, je ne veux pas vous faire peur. Ce n'est pas mon but. Hein. Mais la troisième arrive. Hein. La troisième, elle arrive. Elle est proche. Elle est proche. Parce que certaines personnes ont vu des chars dans l'Antarctique. Donc, il a beau nier, mais il ne va pas nier. Avec les experts, donc il y a des experts qui sont là, qui gravissent les marches, et puis pour aller au sommet. Non, il va pas nous avoir comme il nous a eu pour la première fois. Hein. Il va s'attaquer aussi aux enfants. Et oui, dans les écoles. Faites attention à vos bambins. Chers amis, ou vos petits-enfants aussi, faites attention. Faites attention de ne pas leur faire la soupe. Alors, normalement, c'est la grippe aviaire. Normalement, hein? Donc septembre-octobre. Hein? Septembre-octobre. Ils le préparent depuis déjà le printemps. Bon, la France est en dette. Est en dette, bien sûr, il dépense à tort et à travers, en gala, en voyage, en jet privé, en gala de luxe, en cadeau de luxe, et puis Brijami, ça suffit avec les toilettes hors de prix, payées par nos impôts, bon sang. Bon sang, il faudrait ne plus payer d'impôts. Il faudrait, c'est ça que je dis, il faudrait ne plus leur donner l'argent. C'est nous les patrons, c'est pas eux, c'est nous. Bon, alors je m'énerve un peu parce que de voir tout cela, ça, donc c'est eux les coupables. Coupables, coupables. Bon, ils avancent à la vitesse de la tortue, tout doucement. Insensiblement, ils ne veulent pas nous effrayer, mais ils ne nous effrayeront pas, hein, parce que les coupables, ce sont eux, lui en particulier, hein. Mon Dieu. Bon. Nous retrouvons l'espoir, donc par le départ, et il est possible qu'il démissionne, soit il est destitué. On verra ça. Reprenez espoir, mes amis. Ne vous laissez pas, je veux dire, on va dire un mot un petit peu argot, embobiné par la vax, la soupe, on va dire, parce que cette pandémie, elle est inexistante, elle est fausse. Alors là, nous avons, ben voilà, bon, je n'en ai pas parce que là, ça parle de sexualité, donc c'est pas bon. Voilà, il veut nous intimider, nous faire peur. Maintenant, on n'a pas peur. On y est passé une fois, on n'y repassera pas deux fois. Hein? Ah non, non, non. Bon. Je vais mettre une carte sur l'intimidation. Voilà. Voilà, ils complotent. Hein? Ils complotent. Des complotistes.
Oh là là, ça c'est le, ça représente le Deville, ah, le Deville. Oui, voilà, c'est lui le Deville. Il va aller le rejoindre très vite. Espérons, mais ils nous mettront quelqu'un d'autre qui lui ressemble, hein, avec un masque de Hollywood. Voilà ce qu'il veut. Il veut nous faire peur. La peur. N'ayez pas peur, mes amis. Vous ne risquez rien. C'est faux tout ce qu'on va vous raconter. Ne regardez pas les médias mainstream. Regardez, écoutez les vidéos que je peux vous donner. Je peux savoir énormément de choses parce que mes amis m'envoient des vidéos aussi. Donc, bon, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ils veulent vous faire peur. Avec une nouvelle maladie, avec une nouvelle soupe. En fait, la soupe, c'est pour vous faire trépasser. Bon. Ben écoutez, je crois que je vais arrêter là la vidéo parce que déjà, on en sait pas mal sur ses intentions. C'est de créer une nouvelle maladie pour faire travailler ses amis des laboratoires et la faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et en même temps, faire passer de vie à trépas les Français et même les étrangers qui vivent en France. Voilà, mes amis, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.